Ce matin, ce qui nous occupe, c'est Auguste Rodin, qui est suffisamment célèbre pour n'avoir pas véritablement besoin d'être présenté. Et pourtant, je vais vous le présenter quand même, parce que, comme vous le voyez, j'ai sous-titré cette présentation Inventeur de la sculpture moderne. Ça paraît être su assez largement et pourtant il faut quand même reposer quelques bases. Donc vous voyez ces dates de naissance et de mort. Auguste Rodin vient d'une famille assez modeste et il va commencer par aller à la petite école, s'intéresser au dessin et puis il va avoir vers 20 ans un arrêt, non pas dans sa carrière parce qu'il n'a pas encore commencé sa carrière, mais une grande crise personnelle qui résulte du décès de sa sœur. Donc sa sœur décède brutalement et elle prévoyait, elle, de devenir, d'entrer dans les ordres. Et donc, Rodin, suite à la perte de sa sœur bien-aimée, eh bien, décide de suivre ses pas et entre au séminaire. Et il a la chance au séminaire de croiser la route de ce monsieur que vous voyez ici portraituré par Rodin, qui s'appelle le père Aymard, qui n'a pas l'air ultra sympathique comme ça dans ce portrait, mais qui est en fait un homme tout à fait conscient des doutes de Rodin et de la raison pour laquelle il est entré au séminaire. Et il est conscient que c'est une mauvaise raison. Et donc, Rodin fait tout simplement le portrait hein, de ce père Aymard. Alors ici, c'est la version en bronze, mais il l'a évidemment d'abord fait à l'argile, je vais vous en reparler évidemment, ou à la cire même. Et le père Aymard n'aime pas trop ce portrait de lui parce que vous le voyez ici, les cheveux qui sont un peu ébouriffés, vous voyez, comme s'ils étaient soufflés par le vent, représentent pour Rodin le génie. En fait, c'est le souffle du génie. C'est donc l'intelligence de cet homme qu'il met en valeur. Et si vous regardez bien, en fait, ces deux petites mèches de cheveux, là, elles font un peu comme des cornes. Et donc, en fait, le père Aymard n'apprécie pas particulièrement d'être représenté comme un petit diable par Rodin. Cependant, et c'est là où il fait preuve d'une très grande intelligence, voyant les capacités artistiques de ce jeune séminariste, il lui dit qu'en vérité, sa place n'est pas du tout au séminaire et qu'il faut qu'il aille voir ailleurs. Et donc, en gros, il le jette hors du séminaire pour que Rodin puisse devenir Rodin. Donc, en ça, il faut vraiment rendre hommage au père Aymard parce que, il a eu un rôle capital dans la trajectoire artistique d'Auguste Rodin. Donc Rodin quitte le séminaire, il va commencer à faire ses armes et il va entrer au service d'un artiste qui est tout à fait reconnu à son époque, qui est un peu moins connu actuellement, qui s'appelle Carrier-Belleuse. Carrier-Belleuse, c'est un sculpteur ornemaniste, c'est-à-dire que c'est lui qui va être en charge des décorations, par exemple des façades des beaux hôtels particuliers. Il produit un art qui plaît tout à fait à la bonne société du Second Empire, c'est-à-dire un art qui, comme cette jeune femme aux fleurs dans les cheveux que vous voyez produite par Rodin dans l'atelier de Carrier-Belleuse, correspond tout à fait au goût du XVIIIe siècle. Donc on a ici en fait cette transposition à la fin du XIXe siècle de ce que l'on produisait au XVIIIe. Ce sont des portraits, des bustes qui sont tout à fait, comment dire, sympathiques, aimables, ornementaux. Et puis c'est tout. Bon, c'est déjà très bien. Cependant, j'attire votre attention par rapport à l'ornementation des hôtels particuliers. L'hôtel de Païva, qui se trouve au bas des Champs-Élysées, qui est assez célèbre parce que c'est le dernier hôtel particulier des Champs, a été orné pour la façade par l'atelier de Carrier-Belleuse et on pense que l'un ou l'autre de ces ornements ont été réalisés par Rodin. Quoi qu'il en soit, nous sommes en 1870, vous le voyez, la date est importante, puisque la guerre franco-prussienne éclate et que Carrier-Belleuse emmène avec lui Rodin à Bruxelles parce qu'il a besoin de continuer d'exercer et qu'il a des commandes à Bruxelles. Et donc Rodin va partir en Belgique avec Carrier-Belleuse
il va y rester longtemps parce qu'en réalité, il ne peut pas tellement trouver du travail à Paris. Au passage, il laisse à Paris femme et enfant. Donc ça, c'est aussi important, j'y reviendrai. Or, c'est précisément alors qu'il est à Bruxelles qu'il produit cette œuvre, qui est la première grande œuvre de Rodin et qui est immédiatement le premier scandale de la carrière de Rodin. Alors, je vais y venir. Je sais que je vous ai pris une photo d'un peu loin, mais je trouvais que la lumière était juste magnifique et que vous profitiez ainsi aussi de la disposition du très bel hôtel Biron dans lequel le musée Rodin se trouve à Paris. Pourquoi y a-t-il un scandale ici? D'abord, vous voyez qu'on l'a intitulé L'âge des reins, mais c'est en fait le second nom de cette œuvre. Son premier nom, c'était Le vaincu. Parce que Rodin met en place cette œuvre à la fin de la guerre franco-prussienne et donc il souffre de la défaite française, évidemment. Et il veut représenter cette souffrance, en fait, la défaite française. Et donc, il demande à un homme qui est un militaire belge de bien vouloir poser pour lui. Et il propose non pas le bronze, hein, parce que c'est très coûteux de faire réaliser un bronze, mais le plâtre au salon de Bruxelles. Et là, le scandale éclate. On dit que le corps est tellement bien modelé que ce ne peut pas être un modelage et que ça ne peut être que un moulage sur le vif. C'est très important parce que on considère qu'un sculpteur, c'est celui qui modèle, celui qui façonne de ses mains, et que celui-ci, qui sait façonner de ses mains et rendre la réalité du corps, est un bon sculpteur. Prendre un moulage du corps, c'est-à-dire en fait faire des bandelettes, hein, tout simplement sur un vrai corps pour ensuite tirer un bronze, c'est pas déshonorant, mais ce n'est pas le travail d'un sculpteur. Et on considère que le rendu du corps de ce personnage est tel que Rodin n'a pas pu le modeler de ses mains. Et le tort est causé parce que lorsque quelques mois plus tard, il veut le présenter au salon à Paris, cette mauvaise réputation l'a précédé et le jury ne veut rien savoir et refuse totalement de présenter cet homme. Et Rodin, pour essayer de justifier son travail, a constitué dans trois énormes caisses un dossier documentaire pour prouver qu'il a fait son travail. Il va ramener des maquettes à différentes tailles, etc., etc. Et surtout, regardez, il va présenter la photo d'Auguste Ney, qui est donc le modèle de l'âge des reins. Et il montre à travers cette photo, qui pour moi est assez probante, qu'il ne peut pas avoir moulé sur le corps de Ney. Regardez bien son corps, regardez comme il est musculeux, ce personnage, et regardez à nouveau l'âge des reins. Donc, c'est clairement pas un moulage. Ben, rien n'y fait. Le jury refuse de présenter cette œuvre en disant que non, on n'a pas affaire à un modeleur, on a affaire à un moulage sur le vif. Donc, la première œuvre magistrale de Rodin est le résultat, ou plutôt mène à une première polémique, un premier scandale. Et tout au long de sa carrière, c'est pas tant qu'il y aura des polémiques à chaque fois, mais il y aura toujours des problèmes dans sa carrière, j'entends officielle, et je vais y revenir tout de suite. Une dernière chose, je reviens encore sur l'âge des reins. On comprend pas tout à fait la pose, hein, elle est assez étrange. Mais enfin, c'est déjà caractéristique de l'expressionnisme, hein, du corps chez Rodin, puisque ce vaincu n'a pas l'air tout à fait abattu. Et il représente en vérité l'humanité, hein, il a été changé. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en fait, il y a eu une blessure infligée à la terre avant qu'elle soit cuite. Et il y a en fait comme une cicatrice sur le front. Et il l'a conservée. Il aurait très bien pu avant de cuire, hein, la terre, l'argile, pardon, il aurait pu le gommer, hein, mais lui estime que l'accident fait partie de la vie de l'œuvre. Et donc, il l'a conservée ainsi. J'en arrive maintenant à quelques-unes de ces commandes publiques qui lui sont passées, avec les très fameux bourgeois de Calais, qui sont commandés à Rodin pour commémorer cet épisode de la guerre de Cent Ans, durant laquelle la ville de Calais ayant
brillamment supporté le siège britannique, se voit contrainte de céder et doit donc donner les clés de la ville à l'occupant anglais. La légende veut qu'en fait, ce soit quelques bourgeois qui se soient rendus à l'anglais, lui aient remis les clés, là vous voyez une clé symbolique hein, très vaste, et surtout aient accepté leur sacrifice, c'est-à-dire qu'ils ont donné leur vie pour sauver celle des Calaisiens. À l'origine, la commande est la suivante. La ville de Calais veut un monument très impressionnant pour honorer ces bourgeois qui se sont sacrifiés pour le reste de la ville, en mettant en avant un seul de ces bourgeois qui vaudrait pour l'ensemble. Rodin déjà refuse cet état de fait en présentant 6 personnages. Alors là, vous n'en voyez pas 6, mais dans la version définitive, il y en a 6. Et puis, il refuse aussi une autre chose, c'est que vous n'avez pas une idéalisation du corps ici. Vous avez une représentation réaliste des différentes attitudes de ces personnages face à la mort, puisque remettant les clés et se remettant eux-mêmes aux Anglais, ils savent qu'ils vont mourir. Vous voyez celui qui est tout à fait abattu, celui qui est quasiment insensible, celui qui va plein de grandeur. Et puis, vous avez aussi des déformations corporelles volontaires, puisque les mains, c'est notamment ici le cas avec Pierre de Vissant, les mains sont exagérément grandes pour accentuer le geste. Je vous passe les détails, mais autant vous dire que quelque chose qui devait être livré très rapidement demande plusieurs années, parce qu'en fait, Rodin ne fait pas ce qu'on lui demande, et il finit par obtenir l'assentiment de la ville. Sauf que patatras, lui avait décidé que son œuvre, mise en situation à Calais, devrait soit être présentée sur une plateforme très haute, surplombant le spectateur, soit directement au sol, au niveau du regard du spectateur. Et qu'a fait la ville de Calais ? Eh bien, elle a tout simplement pas accédé à cette demande, excusez-moi, en créant un socle à mi-hauteur, qui fait qu'en fait le spectateur était au niveau des pieds des personnages. Donc ça ne correspondait pas du tout à la réflexion de Rodin, qui voulait que soit le spectateur soit totalement immergé dans la scène, qu'il soit partie prenante, soit surplombé par ces héros qui ont sacrifié leur vie. Je vous le montre maintenant à Calais, en situation. Cette fois-ci, vous le voyez, il y a un léger socle en dessous, hein, simplement pour protéger le bronze, hein, évidemment, mais on est à peu près au niveau du regard. Il a fallu attendre la fin du XXe siècle hein, pour obtenir cette disposition. Auparavant, c'était plus haut et c'était donc pas du tout conforme à ce que voulait Rodin. Donc ça, c'est important parce que Rodin ne répond pas tout à fait aux commandes qu'on lui passe. Et puis, il réfléchit à l'œuvre et à sa présentation, à son socle. Alors que ce n'était pas nécessairement quelque chose qui était au cœur de la réflexion d'un sculpteur jusque-là. Cependant, si j'avance, une autre commande officielle, c'est celle du portrait de Victor Hugo. Alors ici, vous voyez le buste dit « à l'illustre maître » qui a été fait... qui a beaucoup plu, hein, celui-ci, après observation de Victor Hugo. Alors, en fait, une société littéraire hein, qui a demandé à Rodin de faire un portrait de Victor Hugo. Bon, Victor Hugo, ça lui plaît sans lui plaire. Et en tous les cas, il dit, bon, bah, écoutez, monsieur Rodin, je vous reçois chez moi, c'est très bien, mais alors je ne pose pas. Donc, vous vous débrouillez, mais je ne pose pas. Et donc, Victor Hugo, en fait, vit. Et Rodin est juste un spectateur de la vie et du travail d'Hugo. Et il ressort de cela ce très beau portrait que vous voyez, où encore une fois on retrouve, vous voyez, ce petit souffle de vent dans les cheveux, ici, qui montre le génie créateur de l'homme. À partir de ce buste, il va réaliser un monument, et voilà le projet que lui mène à terme, qui est un projet qui a été refusé. Est-ce que ça ne correspond pas à ce qu'on attend de la représentation du génie littéraire de Victor Hugo. Qui plus est, là, Victor Hugo est mort hein, lorsque l'on réalise ce monument, et c'est pas ça qu'on veut voir. Ce que Rodin représente, c'est Hugo à Guernesey qui, d'un geste impérieux, calme la fougue, la houle de la mer
tout comme il calme en quelque sorte les passions, comme il est un homme posé. Et vous voyez au-dessus de lui une muse qui l'inspire, et vous voyez, il tend l'oreille hein, pour écouter la muse. Donc c'est une représentation du génie de Victor Hugo que nous saisissons parfaitement maintenant, mais qui a été refusée à l'époque. C'est pas ça qu'on veut voir. Ce qu'on veut voir, c'est Victor Hugo bien habillé, très calme, héroïque, idéalisé. Il est idéalisé par Rodin d'une certaine manière, mais il est à la manière de Rodin. Donc encore une fois, commande officielle, nouveau refus officiel. C'est la même chose pour le Balzac, Société de lettres. Mais décidément, en fait, j'ai envie de dire, les commanditaires publics, ils réfléchissent pas bien, ou officiels, ils savent que, ils ont entendu parler de tous les problèmes de Rodin, et à chaque fois, ils retournent vers lui. Alors, vous me direz, oui, mais enfin, des grands artistes comme lui, il n'y avait pas beaucoup. Certes, mais si vous voulez quelque chose qui soit fait tel que vous, vous l'imaginez, bah, faut pas le demander à Rodin, tout simplement. Donc, on lui commande un monument à Balzac, et alors là, il s'enthousiasme, il a lu tout Balzac, il va en Touraine parce qu'il part du principe que les types physiques correspondent à la région dont on vient, et donc il va trouver un homme qui lui semble ressemblant physiquement à Balzac, et il produit ce masque que l'on appelle le masque souriant. Là, vous en voyez le plâtre. En réalité, il l'a travaillé à l'argile et il continue de modeler à l'argile parce que c'est l'argile hein, que Rodin affectionne le plus. Je vais y revenir. Voilà ce que cela peut donner pour une autre étude de tête. Donc là, vous voyez comment il travaille. En fait, c'est une structure sur laquelle il ajoute des petites boulettes d'argile qu'il va aplanir plus ou moins. Et Rodin, il ne faut pas me l'imaginer en train de travailler le marbre ou travailler le bronze. Hein. Ce n'est pas un fondeur et ce n'est pas un praticien. C'est un modeleur. Donc, lui, il travaille l'argile. Il va pouvoir cuire l'argile, s'il veut, hein, la terre. Et puis, il va travailler le plâtre. Il aime beaucoup le plâtre. Mais il ne façonne jamais une œuvre dans le marbre. Ce n'est pas un tailleur direct. Ça, c'est très important, évidemment. Il tâtonne encore. Évidemment, avant de le vêtir, il faut le représenter nu. Alors là, en fait, il y a eu un espèce de scandale. Les critiques ont dit, mais enfin, vous ne nous présentez pas Balzac, vous nous êtes présenté un espèce de lutteur gréco-romain bedonnant, ça ne va pas du tout. Oui, mais lui, il veut le représenter ainsi, il en a besoin. Et puis, il finit en fait sa recherche avec l'attribut de Balzac, puisqu'on sait que Balzac portait une espèce de grande robe, qui est un peu comme une robe de chambre, lorsqu'il travaillait. Et donc, Rodin, pour trouver, pour mettre en place, eh ben, il prend tout simplement une robe de chambre, il la met dans le plâtre et hop, il la fait tenir avec un système de structure en dessous pour le rigidifier. Et enfin, il rend sa copie en proposant ceci. Alors, toujours pas en bronze, hein. D'abord en plâtre, évidemment, et là, refus catégorique. On dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette espèce de chose que vous nous avez mise? On dirait un espèce de tas de tissu comme ça, avec une tête totalement déformée, parce qu'en fait, il y a une espèce de goitre là, hein, qui s'est formée, une chevelure qui est incompréhensible, encore une fois, toujours l'espèce de souffle du génie que Rodin affectionne. En gros, on le refuse, et on finit par le commander à quelqu'un d'autre, hein, une œuvre qui sera plus cohérente. Alors qu'en fait, on saisit parfaitement ce que Rodin a voulu représenter. C'est toujours le même principe qu'avec Victor Hugo. C'est le génie à l'œuvre, le génie plus grand que les contingences de ce monde. C'est ça qu'il a voulu représenter. Enfin, dernière commande qui est celle qui va nous occuper le plus longuement, La Porte de l'Enfer, qui est en fait une commande qui a été passée pour entrer dans les collections du musée des arts décoratifs qui était projeté dans les années 1880. Ce n'est pas le musée des arts décoratifs que vous connaissez aujourd'hui. La fonte que vous voyez est une édition de 1917. C'est donc une édition qui a fini par être produite du vivant encore de Rodin, mais qu'il n'a jamais vu achevée puisqu'elle a été finie quelques mois après son décès. Elle est présentée dans le jardin du musée Rodin à Paris, et vous voyez ici la multitude de personnages. Donc qu'est-ce que c'est en fait la commande? C'est Monsieur Rodin, nous voudrions que vous fassiez une porte monumentale pour le musée des arts décoratifs. Pas une porte à usage, hein. C'est pas une porte qui servait à être ouverte, c'est une porte monumentale pour montrer ce qu'il était capable de produire. Et vous avez sujet libre,
Et donc, il s'intéresse à la divine comédie de Dante et il va finalement s'intéresser uniquement à l'enfer. Et vous le voyez ici, on vous met une dizaine d'années de travail. En vérité, il y a travaillé pendant 21 ans. Parce qu'il n'a jamais été satisfait, il a continué de modifier ses petits personnages qui vont ensuite le servir de modèle à une multitude d'autres statues. On va y revenir. Voici ici comment il travaille. Donc d'abord, alors là c'est tout petit, hein, j'ai beaucoup agrandi la photo, mais en vérité, oui, vous avez quelques centimètres, je pense que ça doit faire une vingtaine de centimètres de haut sur un peu moins de large, et c'est juste le quart supérieur gauche, hein, de la porte qui est représentée ici. Donc là, vous voyez comment il travaille. Il travaille à la cire, et il a une maquette en cire taille grandeur nature, sur laquelle il va sans cesse modifier les personnages, transformer et réfléchir en fait sur cette maquette. Lorsqu'il a arrêté tout le projet, il va en réaliser une version grandeur nature, à l'échelle donc, en plâtre. Mais pour arriver à ce travail-là, il a mis 20 ans, comme je vous le disais, parce qu'il n'est jamais satisfait, il change d'idée, etc. Cependant, parmi ces œuvres, voici, regardez, les trois personnages ici, ce sont ceux-ci qui ont été ensuite extraits de la porte pour devenir une sculpture autonome qui s'intitule « Les trois ombres ». Alors ici, on voit déjà quelques caractéristiques du travail de Rodin. Vous voyez les coups qui sont tordus de manière exagérée, qui correspondent avec la musculature, hein, totalement en torsion, qui correspondent à son goût absolu pour le travail expressionniste de Michel-Ange. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il adore reprendre la même œuvre à plusieurs reprises. Donc, en fait, c'est une seule et même statue qu'il a simplement déplacée dans l'espace pour produire les trois ombres. Et c'est trois fois la même. Vous remarquerez qu'il lui manque le bras droit. Il l'a coupé, c'est pas grave, il aime aussi ça. Autre œuvre, Paolo et Francesca, simplement pour vous la comparer avec une autre de ses œuvres que nous allons voir dans un instant. Paolo et Francesca, ce sont des personnages donc, de l'enfer de Dante qui ont été mis à mort pour adultère. Je m'explique, Francesca a épousé le frère de Paolo, mais est amoureuse de Paolo. Et un jour, alors qu'ils ne cèdent ni l'un ni l'autre à cette passion, un jour, l'un et l'autre lisent ensemble un livre et n'en pouvant plus, ils échangent un regard. Il n'y a même pas de toucher, il n'y a rien. Mais c'est à ce moment-là que le frère, donc l'époux, hein, qui s'appelle Giovanni, arrive et tue les deux pour adultère. Ils sont donc condamnés à errer dans l'enfer de Dante, et c'est ainsi que Rodin peut les représenter ici. La première version de Paolo et Francesca, c'est ça. Mais il l'a sorti de la porte de l'enfer parce qu'il trouvait que c'était trop doux et pas assez tourmenté pour être dans la porte de l'enfer. Donc le baiser, en fait, c'est Paolo et Francesca que vous voyez, qui est donc une extrapolation du texte. Ici, vous voyez une version qui est au musée Rodin, c'est d'ailleurs la salle hein, dans laquelle il se trouve donc toujours à Paris. C'est une commande de l'État, donc ça veut dire concrètement que l'État a demandé à Rodin de créer une version du baiser en marbre dans ces dimensions-là. Ce qui n'est pas visible sur la photo, et j'en ai pas trouvé de suffisamment probante, c'est que vous voyez le pied droit de Paolo ici. En réalité, il est coupé. En fait, l'orteil de Paolo est recroquevillé sur lui-même parce qu'il n'y avait plus assez de marbre pour pouvoir produire la totalité de l'œuvre. Ça aussi, c'est une caractéristique de Rodin. Pour produire un bloc, une statue de marbre comme celle-ci, on part du modèle en plâtre. On va prendre les mesures et on va reporter ces mesures sur le bloc de marbre. Ce qui explique que quand vous voyez cette œuvre, vous constatez que sur le bras de Paolo, sur le dos de Francesca, il y a des petits trous qui sont en fait les reports tout simplement des dimensions. Donc le praticien, celui qui travaille directement le marbre, va produire l'œuvre à partir du modelage fait par le maître.
et il doit laisser quelques centimètres de chair de marbre. Et c'est à ce moment-là que Rodin décide si oui ou non on va jusqu'à la dimension qui avait été choisie à l'origine. Si on voit les petits trous, ça veut dire que le maître a demandé de conserver plus de matière que prévu initialement. Ça lui arrive assez souvent. Ce ne sont pas des erreurs, ce n'est pas, comment dire, une dégradation de l'œuvre, c'est le travail de réflexion du maître qui est à l'œuvre. Donc un Rodin en marbre, ce n'est pas Rodin qui l'a fait, c'est lui qui l'a conçu. Et c'est ensuite l'un de ses praticiens qui l'a réalisé. Parmi les praticiens de Rodin les plus célèbres, il y a Antoine Bourdelle, qui a lui aussi un musée, et il y a Camille Claudel, qui avait pour elle d'être une des meilleures dans la taille directe du marbre, et qui savait travailler des marbres extrêmement complexes comme l'onyx. Je n'ai pas mis d'œuvre de Camille Claudel dans cette sélection, simplement parce que je n'ai pas le temps en une demi-heure. Autre œuvre, alors là pour le coup extrêmement célèbre, le penseur qui est en fait Dante, hein, c'est le poète qui est au sommet de la porte, qui contemple les cercles de l'enfer qu'il a décrit dans l'Enfer et la Divine Comédie et qui médite sur le sort particulier de ces âmes damnées. Tout ceci est extrêmement expressionniste. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est surtout antinaturaliste. Lorsqu'on imite le penseur de Rodin, on oublie souvent une chose. La plupart des gens se mettent le genou. En fait, vous voyez que son menton repose sur sa main droite. Et donc, souvent, on met en fait le coude droit sur le genou droit. En vérité, ce n'est pas du tout ça, c'est une torsion. Il faut mettre le coude droit sur le genou gauche. Ce qui veut dire que c'est anti-naturaliste, ce n'est pas ça qu'on fait naturellement. Mais ça accentue le caractère pathétique et méditatif du personnage. Toujours dans cette même veine, l'enfant prodigue, qui date de 1905, vous me direz oui, mais c'était bien après la porte de l'enfer. Oui, mais non, parce qu'en fait, ce personnage existe dans la porte de l'enfer, mais pas comme ceci, c'est-à-dire que cette partie-là ne repose pas au sol. Elle est fixée à la porte, et donc le personnage est en train de tomber. Donc c'est l'un des damnés qui chute. Donc Rodin le reprend, le met sur ses genoux, les bras vers le ciel, et ainsi il crée l'enfant prodigue. Et de cette figure-là, il va développer encore une autre, qui est, vous voyez, c'est toujours le même personnage, mais cette fois-ci couché sur une autre femme qui est une autre des damnés, et ensemble, les extrayant de la porte de l'enfer, il va créer Fugit Amor. C'est l'association, l'assemblage systématique qui caractérise le travail de Rodin. Ça aussi, c'est moderne. Le fait de réutiliser sans cesse des figures qu'il a déjà modelées pour d'autres choses, mais qu'il va transposer dans une autre création, le fait de laisser un caractère inachevé, cassé, parcellaire, fragmentaire, tout ça c'est Rodin et c'est des symboles de modernité. Voici ici, alors là je me fais un petit plaisir, c'est aussi une figure que l'on trouve dans la porte de l'enfer, elle est en bas à gauche, c'est la femme accroupie qu'on appelle aussi la Luxure, qui est alors là en terre cuite, mais qui existe en bronze, hein, qui est absolument, à mon sens, représentative du travail de Rodin et de son génie observateur. C'est pas une pose qu'il avait demandé de prendre à son modèle, mais les modèles, pour détendre leurs muscles, pouvait prendre des poses parfois tout à fait étonnantes. Et un jour que son modèle se détendait, elle a pris une posture qui était comme celle-ci. Et donc, Rodin a saisi ce geste et il lui a demandé de reprendre la pose. Donc là, le geste de détente ne devait plus du tout la détendre, mais il représente ainsi ce corps qui est complètement contorsionné et qui donne bien l'image de la damnation, en tout cas pour la porte de l'enfer. C'est aussi un dessin, hein, parce que son sexe est visible de manière extrêmement claire. Je quitte maintenant la porte de l'enfer et je vous montre une petite sélection d'œuvres remarquables du travail de Rodin, car il veut se confronter avec certains de ses praticiens à la représentation de l'âge, des effets de l'âge sur le corps. Et donc, lui produit celle qui fut la belle Homière. C'est le titre, en fait, d'un poème qu'il appréciait. Et vous voyez, il montre les effets de l'âge sur le corps en les exagérant,
évidemment, mais il montre qu'il y a dans le vieillissement, dans le souci de représenter de manière peut-être pas réaliste, parce que Rodin n'est pas réaliste, hein. Il est symboliste plus que réaliste, mais vous avez cette volonté de montrer le temps qui passe aussi. Quand je vous dis qu'il s'est confronté, il y a plusieurs de ses praticiens qui, et de ses assistants qui ont travaillé sur la même recherche, hein, de la personne âgée. L'un d'entre eux m'échappe, je suis désolée, son nom ne me revient pas, et je vous renvoie aussi à Camille Claudel, qui évidemment a travaillé dans cette veine. Ici, je voulais surtout vous montrer son travail d'association et de réflexion par rapport au socle et au support, puisque vous voyez une petite sphinge, alors elle fait partie, hein, de la porte de l'enfer, qu'il a tout simplement fixée sur un plâtre de colonne, parce que Rodin, en 1900, a monté une exposition de ses œuvres pour l'exposition universelle. Alors en fait, il ne voulait pas être tout à fait dans l'exposition universelle, donc il a créé un pavillon juste pour lui. Et c'était un pavillon très impressionnant parce qu'en fait, les murs étaient tendus de tissus très colorés, des verts très, très chauds, des rouges intenses. Et l'ensemble de ses œuvres était en plâtre. Donc il n'a présenté que du plâtre alors que ça ne se faisait pas. Et il a produit en fait toute une réflexion sur la hauteur des supports, des socles de ces statues. Donc ça, c'était très important pour lui. Ça a été un grand succès. C'était aussi un peu un choc, hein, évidemment. Alors, il avait déjà renouvelé l'art et la sculpture, mais ça restait un choc. Voici ici ce qu'on appelle les abatis. Alors, ce ne sont pas des œuvres en soi, mais il avait en fait des rayonnages complets de bras droit, de bras gauche, pliés, tendus, etc. Pareil pour les jambes. Et donc, il associait, en fait, il créait ces différentes formes de bras. Et puis, il avait un torse et hop, il allait coller les abatis comme ça pour essayer de créer de nouvelles œuvres. C'est lui qui a appelé ça des abatis et on a vraiment ce jeu d'assemblage qui est au cœur de la production de Rodin. Enfin, un petit plaisir avec cette Danaïde. La Danaïde, c'est l'une de ces 50 femmes, ce sont des sœurs, qui avaient juré qu'elles préféraient rester vierges toute leur vie plutôt qu'être mariées. Et qui, au soir, ou plutôt lors de leur nuit de noces, puisque leur père les avait mariés de force, ont décidé de tuer leurs époux. Donc, elles ont tué tous leurs maris et elles ont été condamnées à remplir d'eau des vases sans fond. Et donc, Rodin, ici, nous montre tout son travail, puisque vous voyez le corps extrêmement poli de cette Danaïde, qui se prolonge par ses cheveux qui sont griffés, et qui se mêle finalement à l'eau et au bloc qui est à peine équarri de marbre. Il nous montre là des techniques de travail du marbre qui sont tout à fait différentes et qui n'étaient pas acceptées jusque-là. On ne voulait pas voir le travail du ciseau du sculpteur dans le marbre. Lui le montre. Et on se sent s'il se place vraiment dans la filiation de Michel-Ange. Alors Michel-Ange, par exemple, les esclaves dont nous avons parlé au Louvre, ce ne sont pas des œuvres qui sont achevées. Mais pour Rodin, lorsque Michel-Ange ne finit pas son travail, il est déjà absolument génial. Et donc, on peut représenter une œuvre achevée qui donne l'apparence de l'inachèvement. Les mains, alors ici c'est de la pierre, hein, c'est pas du marbre, ces mains qui sont une cathédrale, je vous les montre parce que quand on les voit, on a un petit sentiment dérangeant. En fait, ce sont deux mains droites, ce qui est donc impossible en vérité, sauf à ce que ce soit les mains de deux personnes différentes, et elles ont une petite différence d'échelle, ce qui rend la chose encore un petit peu pas perturbant, mais qui lui donne son harmonie. En fait, cette main-ci est plus grande que l'autre, et en réalité, c'est deux fois la même main. Il l'a appelée la cathédrale parce que il était fasciné par l'art gothique, et il a publié un ouvrage justement sur les cathédrales de France, et il disait que la voûte gothique était l'architecture la plus parfaite. Et donc, il voulait montrer ici cette perfection et ce qu'il estimait être une cathédrale, à savoir un lien
entre les personnes. Encore une fois, nous sommes dans le symbolisme, hein, le plus important. Iris, messagère des dieux, là quand on parle de fragmenteur, vous voyez qu'il lui manque sa tête et il lui manque son bras gauche. Ce personnage-là se trouve aussi dans la porte de l'enfer, mais elle en a été extraite assez rapidement. Et ce qui a été choquant pour les spectateurs et pour les contemporains de Rodin, c'est que elle est présentée à hauteur des yeux, c'est-à-dire que quiconque passe près d'Iris a les yeux à hauteur de son vagin. Il n'est pas représenté de manière réaliste, mais vous avez vraiment les yeux à ce niveau-là, et ça a été assez perturbant, évidemment. Il ne choque pas juste pour choquer, c'est qu'il estime que ça a un sens, en fait, cette œuvre. Alors, quel en est le sens exact? C'est très compliqué de le dire, d'autant qu'il l'a intitulée Iris, messagère des dieux. Alors, pourquoi la messagère des dieux est-elle ainsi? Peut-être parce qu'il y a pour lui, dans la sexualité, dans le côté charnel, quelque chose de divin. C'est possible, hein, mais là, je ne peux pas aller plus avant dans cette interprétation. Enfin, deux des femmes de sa vie, avec Camille Claudel. Ici, un masque hein, dont vous voyez encore les sutures et qu'il laissait parfois apparente parce qu'il aimait beaucoup cela. Et puis, une œuvre qui est produite, vous le voyez, qui s'intitule « L'adieu », qui est produite après leur séparation, mais qui confère vraiment un caractère très inquiétant au visage de Camille. En fait, il sent une fêlure, clairement. Je ne vais pas entrer dans les détails de oui, de non, ils ont une relation, etc. Oui, ils ont une relation passionnelle qui pouvait être très violente. Et ils ont une relation, même après leur relation amoureuse, au corps défendant de Camille. Je vais m'expliquer. Ici, ce qui rend la vision de l'adieu un peu particulière, c'est que les deux mains n'ont pas du tout la même échelle et qu'il a mis une main de femme qui est très grande à côté d'une main d'homme qui est la main de Pierre de Vissant, qui est l'un des bourgeois de Calais, beaucoup plus petite ici à gauche. Il y a vraiment quelque chose d'assez étrange. On ne sait pas si c'est les mains de Camille qui s'empêchent de parler, si on veut l'empêcher de parler, on ne sait pas. La relation a été passionnelle, assez brutale, je vous le disais. Brutale aussi parce que Camille se mesurait au maître et qu'elle se sentait frustrée de ne jamais être comprise en tant qu'elle-même artiste. Vous savez qu'il y a un grand débat, oui, mais Rodin a volé des œuvres de Camille, les a signées. Il y a une chose qui est très importante, c'est que Camille travaille comme assistante, comme praticienne dans l'atelier de Rodin. Ce qui veut dire qu'elle a le droit de produire des choses pour elle, en son nom, mais pas dans l'atelier de Rodin. Et si elle produit quelque chose dans l'atelier de Rodin, c'est à Rodin. Et c'est son nom à lui qui va y être, même si ça vient de son cerveau à elle. Et ça fait partie des règles du jeu. C'est pas parce que c'est une femme qu'elle a été maltraitée de cette manière-là. C'est parce que c'est les règles du jeu. C'est arrivé à d'autres artistes. La difficulté, c'est que parce qu'elle était une femme, évidemment, elle a eu moins de liberté de création que si elle avait été un homme à cette époque-là. Cependant, après leur relation, Rodin a continué d'aider Camille en lui envoyant des commandes, des commanditaires, etc. Et elle détestait cette aide-là, hein, véritablement. C'est quelque chose qui la tourmentait beaucoup. Mais d'autres femmes, Rodin en a connues, je ne vais pas toutes vous les citer, je vous cite la plus importante dans la longévité, il s'agit de Rose Beurrée. Vous vous souvenez de cette petite terre cuite que je vous ai montrée de la jeune fille aux fleurs? C'était déjà Rose qui avait posé pour lui. Ici, il la représente comme endormie, elle paraît même morte. Rose, c'est en fait la compagne de Rodin pendant toute sa vie. Ils sont ensemble à partir des années, on va dire, fin 1860. Ils ont un enfant ensemble. Elle est la fidèle compagne. Elle reste avec lui. Elle s'occupe des finances. Elle s'occupe de tout. Et elle s'occupe de leur fils que Rodin n'a jamais reconnu et qu'il considérait comme un bon à rien. Et elle a subi, en fait, aussi hein, toutes les infidélités de Rodin, la concurrence de Camille. Et ils ont fini par se marier, figurez-vous, quelques semaines avant de mourir. Et c'est très impressionnant parce que Rose a toujours été là. Et ils ont fini par se marier en 1917. Rodin est mort et 3 semaines après, Rose est morte. Donc c'est vraiment un couple, en fait,
qui travaillent ensemble en quelque sorte. Elle n'a pas de fonction créatrice, hein. Mais il disait souvent que si Rose n'était pas là, il ne pourrait pas créer de cette manière-là. Pour finir, je vous montre simplement le jardin, un petit bout du jardin de l'hôtel de Biron, donc le musée Rodin à Paris. Je vous précise que Rodin n'occupait pas la totalité de l'hôtel, hein, il avait en fait son bureau qui était ici. Ce n'était pas une zone où il créait, c'était en fait le lieu où il recevait les visites importantes, les commandes, etc. Et avant son décès, il a fait une série de 3 legs à l'État sous condition, puisque la condition était que l'État devait ensuite présenter la collection au public, et l'État a décidé de le présenter dans cet hôtel de Biron qui lui est donc totalement consacré maintenant. Le jardin est absolument fantastique. Si vous ne savez pas où il est juste à côté des Invalides. Là, vous avez l'avenue, hein, qui sépare l'hôtel de Biron des Invalides, tout simplement. Et le deuxième musée, c'est la Villa des Brillants, qui est le musée Rodin à Meudon. C'est en fait là qu'il habitait et c'est là qu'il créait. Et donc, la différence, c'est que dans l'hôtel de Biron, on a beaucoup de plâtre et de bronze. Dans la Villa des Brillants, ce sont essentiellement beaucoup de marbre et de bronze à Paris, excusez-moi, et à Meudon, essentiellement des plâtres, des argiles, etc. C'est le lieu de la création et le lieu de vie principalement. Voilà pour cette présentation rapide du travail de Rodin et de pourquoi il a été véritablement l'impulsion de l'art, de la sculpture moderne. Et voici un rappel des prochaines visites. Donc, jeudi soir à 20h45, si jamais il devait y avoir une allocution du président, du premier ministre, on décalera un petit peu l'horaire de début. Tout en Camon, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour les premiers arrivés, l'avantage, c'est qu'il y aura beaucoup moins de monde qu'à l'exposition et que je peux vous présenter des œuvres qui n'étaient pas présentées dans l'exposition qui s'est tenue l'année dernière. Et puis, pour la dernière visite confinée de la période de confinement, même si elles continueront, vendredi matin, je vous emmène au MoMA à New York. On va voir de l'art moderne ensemble. Et comme je vous le disais, pour la suite, mardi prochain, je vous emmènerai voir l'art aborigène et puis Dior pour la semaine prochaine, à une date encore à déterminer. Voilà, je cesse le partage.